vient à la page sport de cette édition avec une médaille d'argent ce matin en biathlon pour Quentin Fillon-Maillet. C'était en sprint 10 km. Il a terminé derrière un Norvégien. C'est la 7e médaille pour le camp français. On va retrouver sur place Bruno Cuas qui couvre les JO de Pékin pour Europe 1. Quentin Fillon-Maillet, c'est un peu l'homme tranquille de l'équipe de France olympique. L'épaule sur laquelle on peut se reposer lors de ce sprint disputé à Zanjaku en une magnifique fin d'après-midi ensoleillée. Une faute au tir couché a permis à son rival norvégien Johannes Bø de s'envoler. Le Français, vainqueur de l'individuel, a enclenché alors la vitesse supérieure. Il n'a pas fait de faute au tir debout. Il a même repris du temps dans le dernier tour au Norvégien, mais il termine à 25 secondes. C'est le grand frère Tarjei Bø qui complète le podium devant une forte colonie française emmenée par le tonitruant Claude Onesta, Tessa Worley, la porte-drapeau et son fiancé Julien Liseroux. Demain, on prend les mêmes et on recommence pour la poursuite dont l'ordre de départ sera celui de l'arrivée d'aujourd'hui. Quentin visera donc une 4e médaille en 4 courses. QFM, le biathlon comme on l'aime. Bruno Cuas depuis les JO de Pékin.